Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton profil Entrée Express et comment déterminer si tu es admissible. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Si vous souhaitez immigrer au Canada, le moyen le plus rapide, c'est Entrée Express. Vous le savez certainement, si vous souhaitez immigrer en moins de 6 mois. Donc, Entrée Express est le moyen le plus rapide que je vous conseille si vous souhaitez immigrer rapidement au Canada. Et donc, dans Entrée Express, vous serez classé dans ce qu'on appelle un bassin en fonction de la ronde d'invitation dans laquelle vous serez placé. Donc, lorsque vous créez votre profil Entrée Express, vous devez savoir que ce n'est pas vous qui déterminez le programme ou la ronde dans laquelle vous devez être, mais c'est en fait le gouvernement canadien ou bien les gens qui gèrent la plateforme Entrée Express en fonction de votre profil qui vous affecte à une catégorie. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Donc là, on va voir très brièvement déjà quelques petits détails avant de se lancer dans le test d'admissibilité, la création de son profil Entrée Express. Donc là, vous savez tous, Entrée Express compte 3 programmes d'immigration. Vous avez la catégorie de l'expérience canadienne, vous avez le programme des travailleurs qualifiés et vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Donc là, c'est fédéral et fédéral. Fédéral, c'est-à-dire dans tout le territoire. Voilà, donc, pour chaque programme, vous devez regarder les conditions requises. Donc, bien évidemment, vu que ce n'est pas vous qui choisissez les programmes, vous devez patienter que la plateforme Entrée Express vous affecte à un programme. Et une fois que vous êtes affecté, vous pourrez voir si vous respectez, si vous avez vraiment des chances d'être de recevoir une invitation via ce programme. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez le test d'admissibilité que vous pourrez faire pour déterminer déjà si vous êtes admissible à au moins un programme. Et c'est ça qui est bien. Et on va le faire dans cette vidéo. Donc, vous devez savoir que pour immigrer via Entrée Express, ça se fait en 5 petites étapes. Déterminer tout simplement que vous êtes admissible, ça c'est la première étape. En deuxième étape, c'est de vérifier votre note. Bien évidemment, il y a une note minimale à avoir. Dans chaque programme, il y a une note minimale très différente de chaque programme que vous devez dépasser pour pouvoir immigrer, pour pouvoir recevoir une invitation dans cette ronde. Ensuite, l'étape 3, vous avez la préparation des documents. Vous devez savoir les documents dont vous aurez besoin. Donc ça, je vais voir si je le fais dans cette vidéo ou pas. Ensuite, vous devez remplir votre profil. Et enfin, vous allez recevoir une invitation à présenter votre demande. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ce sont les petites étapes qu'il faut pour immigrer via Entrée Express. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, on va commencer par déterminer si nous sommes admissibles. C'est ça le plus important déjà. Déterminons si nous sommes admissibles. Donc, le formulaire, c'est de 10 à 15 minutes. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Pour ceux qui ont eu à regarder, mais on va le refaire ici très rapidement. Et on va créer notre compte. Donc, déterminons notre admissibilité. Donc, je vous mets les liens dans la description. Voilà, je vais vous mettre les liens directs. Comment déterminer si vous êtes admissible. Directement dans la description. Donc, je me l'envoie à moi pour que je puisse l'avoir tout à l'heure. Voilà, donc... découvrez si vous pouvez présenter une demande. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? C'est la première question qu'il vous pose. Donc là, si vous ne savez pas, ils vous ont dit, normalement, si vous ne pouvez répondre à cette question, vous pouvez choisir au moins une ville, les villes les plus populaires, par exemple, New Brunswick ou l'Ontario, et je pense que c'est Québec, Yukon, Manitoba. Donc il y a Alberta, il y a tellement de villes assez populaires. Moi, je vais prendre par exemple Alberta. Et on va continuer. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? Donc, c'est important, faites les tests de langue parce que c'est obligatoire des fois pour immigrer au Canada. Mieux vaut l'avoir que de ne pas l'avoir. Donc, moi, je le dis toujours. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je vais prendre que j'ai un TCF. Ensuite, à quelle date vous êtes soumis à ce test? Donc, À quelle date avez-vous passé ce test? Bon, moi, je vais par exemple mettre en début 2023 parce que vous devez savoir, le test doit avoir moins de 2 ans. Donc, si votre test a plus de 2 ans, vous devez le refaire. Donc, il demande les résultats des tests donc pour l'expression orale. Donc, quel résultat ai-je eu? Moi, je vais prendre des notes assez moyennes pour vous montrer qu'on peut immigrer, même si on a des résultats moyens en test de langue, c'est pas... Voilà, ici, je mets ça. Et pour l'écriture, je mets toujours la moyenne. On va faire ça. Dans les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous pour votre seconde langue officielle? Donc, si vous avez un test de français et que vous n'avez pas un test d'anglais, bah, vous mettez aucun. Mais si vous avez passé les deux tests, anglais et français, bah, vous choisissez ce que vous avez passé. Donc, moi, je vais mettre IELTS, par exemple. À quelle date avez-vous passé ce test? Donc, moi, je vais mettre toujours en début 2023, disons en février. Maintenant, il demande des résultats pour ces tests. Donc là, les points sont assez bizarres hein, pour les anglophones. Allez, je vais mettre 6,5. Voilà. Je vais mettre 6,5 encore. Là, je vais mettre 6. Et là, je vais mettre 6. Donc, je reste dans la moyenne. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à temps plein ou équivalent à temps partiel. Dans les métiers spécialisés, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Hein. Donc, au Canada, la classification nationale des professions est la liste officielle de tous les emplois. Aux fins d'évaluation, vous devez connaître le titre du poste de CNP. Bon. Expérience d'un métier spécialisé. Là, il ne donne pas assez de détails ici. Donc, allez, on va le laisser pour le moment. Donc, on va essayer de répondre à la question. Combien d'années d'expérience? Donc, je vais mettre 1 année ou plus. Au cours de cette période... Dans quel niveau de classification des professions l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Donc, si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune de ces réponses. Donc, on reprend la question. Au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale des professions l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Donc, vous devez choisir dans quelle catégorie FEER votre expérience se rattache. Donc, pour avoir cela, il faudrait regarder les CNP. Hein. Vous devez savoir, en fonction de chaque catégorie, il y a un emploi qui est affecté. Donc, vous devez vérifier dans quelle catégorie votre expérience ou l'emploi que vous avez occupé se rattache. Donc, vous avez FEE 0, 1, 2, 3, 4. Ça, vous pourrez le vérifier n'importe comment, catégorie FEER. On va essayer de le voir. Hein. Mais normalement, ce sont des choses que vous devrez savoir. Catégorie FER. Voilà. Donc, FER 0, ce sont les emplois de gestion. FER, attendez, allez. FER 1, ce sont les nécessitent généralement un diplôme universitaire. C'est-à-dire les emplois qui nécessitent un diplôme universitaire. FER2, ce sont les emplois qui nécessitent un diplôme d'études collégiales. FER3, diplôme d'études collégiales. FER4, diplôme d'études secondaires. Après ça, c'est pas le site officiel. Donc, c'est canada.ca, on va voir ce qu'ils disent. Donc, poste de gestion. Donc là, c'est un peu plus clair. Donc, vous avez les différents. Ils ont donné quelques postes. Hein. C'est pas exhaustif. Vous avez encore plusieurs autres postes qui peuvent entrer dans cette catégorie. Vous avez par exemple dans les postes de gestion responsable de la publicité, relations marketing, directeur financier. Donc, il vous suffira de vérifier dans quelle catégorie FER votre expérience que vous avez eue dans votre pays se rattache, tout simplement. Donc ça, ce lien, je le mets aussi en description parce que je sais que ça va vous aider. On va faire pareil. Hein. Voilà, on va copier, on va coller et puis c'est bon. Voilà, donc on peut retourner où on était. Donc moi j'ai mis poste de gestion. Je vais continuer. Vos résultats. Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce code. Donc, d'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Voilà, on a fini un peu plus rapidement. Hein. Donc là, le numéro 6, c'est très important. Vous devez le conserver soigneusement parce que ça vous permettra de créer votre profil Entrée Express. Donc, ils vous ont donné quelques étapes, hein, voilà, qui sont assez claires pour pouvoir faire son profil Entrée Express. Première étape, vous devez enregistrer le code. Ce code expirera le dimanche 8 octobre. Donc, généralement, ça expire dans un mois. Étape 2, imprimer cette page. Vous aurez besoin de ces renseignements pour remplir votre demande. Bon, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez rester sur la page et ouvrir un nouvel onglet. Étape 3, inscrivez-vous ou ouvrez une session pour soumettre votre profil en ligne. Pour présenter une demande en ligne, il vous faut une clé électronique pour sécuriser l'accès. Inscrivez-vous pour obtenir une clé. Ouvrez une session dans votre compte si vous êtes déjà un utilisateur. Étape 4. Une fois que vous aurez ouvert une session dans vos renseignements électroniques, ce que l'on appelle la clé, vous serez automatiquement dirigé vers votre compte. Vous serez invité à vous inscrire pour ouvrir un compte si vous êtes un nouvel utilisateur. Si vous êtes déjà inscrit, vous serez dirigé directement dans votre compte. Voilà. Cinquième étape, entrez le code. Voilà, ce code-ci. Étape 6, lorsque vous aurez entré le code de référence personnelle, normalement, ce qui dit, c'est que ça va copier les éléments que vous avez rentrés au préalable. Donc, vous serez guidé à travers les étapes suivantes pour remplir votre profil. Remplissez l'outil de création du profil dans l'entrée express. Examinez votre profil et soumettez votre profil. Et enfin, la dernière étape, après avoir soumis votre profil, vous verrez plutôt une page confirmant que votre profil a bien été soumis. Il y aura aussi d'autres renseignements sur les étapes suivantes. Hein, voilà, donc ça c'est en bref. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte. Donc, je vais ouvrir la page dans un nouvel onglet pour ne pas perdre mon numéro. Allez, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, ils disent que nous avons temporairement désactivé l'authentification multifacteur en raison de problèmes techniques. En attendant, vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe clé GC pour vous connecter. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ouvrez une session avec clé GC. Voilà, ça c'est la première option qui s'offre à vous. Vous n'avez pas votre compte, vous vous inscrivez tout simplement. Après, vous avez cette option, ouvrir une session avec un partenaire de connexion, mais ça, bon, on va plutôt s'inscrire. Voilà, donc la marche à suivre, je vous explique un peu, voici comment vous inscrire. Allez, on va cliquer, donc s'inscrire à la clé GC. Et je vous mettrai le lien toujours dans la description. Allez, je vais le copier directement. Comme ça, vous pourrez l'avoir pour créer directement votre profil. Après avoir déterminé, bien évidemment, si vous êtes admissible. On va faire ça. Donc, seulement avec les tests de langue, sachez que si vous faites les tests de langue, vous pourrez facilement être admissible au programme Entrée Express. Donc, je vous le recommande vivement. Donc, vous avez oublié votre nom, vous avez effacé tout, se connecter. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas bienvenue au TGC. Donc, on va cliquer sur s'enregistrer. Une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur s'enregistrer. Vous allez accepter les modalités, les conditions d'utilisation, tout simplement. Vous allez créer votre nom d'utilisateur. Créer votre nom d'utilisateur. Moi, je vais mettre Thomas, par exemple. Continuer. Au moins 8 caractères. Allez, Thomas comme 237. N'est pas disponible, donc on va faire en sorte que ce soit disponible. Donc allez, je vais rajouter un 0 pour voir. Voilà, là il est dispo. Créez votre mot de passe. Donc allez, on va créer le mot de passe. Continuer. On va enregistrer le mot de passe. Sélectionnez une question de récupération. Donc là, ce sont des mesures de, voilà, de sécurité au cas où vous perdez votre compte, comment récupérer. Donc, vous allez choisir une question parmi celles proposées. Quel est le nom de mon premier animal de compagnie, par exemple? Vous mettez une réponse. Moi, je vais mettre Albert. Hein. Voilà. C'est n'importe quoi. Ma personne mémorable. Ma personne mémorable. Une personne mémorable que vous n'oublierez jamais. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez. Je vais mettre Manon. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Voilà, ce sont des questions claires. Ma date mémorable. Année, mois, jour. 2001. 05. 10. Mon indice au sujet de ma date mémorable, Anive. Voilà. Continuez. Récupération de compte facultatif. Agresse de courriel pour vérifier. Donc, allez, je vais mettre mon agresse courriel. On va faire continuer. Allez, on va procéder à la confirmation. Normalement, on a reçu un email. On va essayer d'actualiser. Il n'est pas encore arrivé. Donc, l'adresse courriel est déjà utilisée par un autre compte. Ah oui, c'est déjà utilisé ça. Lorsque vous confirmez cette adresse courriel, l'écran suivant. Allez, procéder à la confirmation. Allez, j'ai confirmé avec l'adresse email déjà utilisée, mais c'est pas grave. Dans votre nom d'utilisateur est Thomas 2370. Veuillez sélectionner Continuer pour vérifier votre adresse. On va continuer. Et puis, on va... Voilà, on a reçu le mail normalement. On copie le code. Ah là là, pourquoi il fait ça? Copie et on va le coller là. On va cliquer sur continuer. Sélectionnez continuer pour revenir à la page d'accueil. Oui, on va faire pareil. Bienvenue. Pour mieux protéger vos renseignements personnels, vous devez vous déconnecter et fermer votre navigateur avant de laisser cet ordinateur sans surveillance. Veuillez cliquer sur continuer pour retourner au service en ligne. Allez, continuer. Il faudrait bien lire à chaque étape de la création de votre profil. Hein. Je ne vais pas aller trop rapidement. Donc, allez, j'accepte les conditions d'utilisation. Créer un compte. Donc là, c'est ici maintenant que ça commence. Donc, entrez l'information suivante telle qu'il figure dans votre passeport. Utilisez les boutons Aide pour obtenir des détails sur l'endroit où se trouve cette confirmation. Donc, prénom, on va mettre, je vais copier ça, Thomas Fabol, Guillaume Foutin, ouais. Langue de préférence pour notification, moi je vais prendre le français, continuer. Donc là, on va créer nos questions de sécurité, créer des questions de sécurité. Questions de sécurité. Allez, c'est obligatoire, on va le faire comment je m'appelle par exemple. Donc, n'hésitez pas à trouver des inspirations pour vos questions. Hein. On n'a pas de choix. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Voyons voir. Ok. Bon. On est bon. Donc, voir les demandes que vous avez soumises. Recherchez. Donc, si vous avez déjà soumis une demande, vous pouvez la rechercher là. Poursuivre une demande que vous n'avez pas soumise. Et commencer une demande. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Commencer une demande. Donc là, vous avez plusieurs options. Présenter une demande pour venir au Canada, réfugié, citoyenneté et changer d'établissement. Donc nous, c'est présenter une demande pour venir au Canada. Le code de référence personnel, c'est ce que vous aviez là, normalement, qui était très important à sauvegarder. Sinon, vous pouvez le copier sur un papier. Hein. Sinon, vous serez obligé de recommencer le test d'admissibilité. Donc on va cliquer sur continuer. Et donc, voilà, il vous donne étape 1, étape 2. Étape 1, lorsque vous cliquez sur Continuer, vous devez suivre les étapes suivantes pour remplir votre profil. Étape 2, après avoir soumis, vous verrez une page de confirmation. Allez, continuez. Inscrivez votre nom tel qu'il figure sur le passeport. Donc ça, ils n'arrêtent pas de le répéter. Le nom, on va l'écrire pareil. Hein. Le prénom. Le sexe. Votre année, c'est bien l'année de naissance. Allez, on va mettre comme ça, on va faire ça et on va faire ça. Cliquez sur continuer. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Quel est votre état civil? Est-ce que vous êtes célibataire, marié, divorcé, veuf, conjoint, jamais marié, célibataire? Bon, allez, je vais mettre non, jamais marié, célibataire. Hein. Voilà. Donc, vous avez en gros le tableau de bord de votre profil. Donc là, vous voyez le statut, c'est pas commencé partout. Et donc, une fois que vous aurez rempli tout cela, vous serez donc arrivé au bout du remplissage de votre profil Entrée Express. Voilà, donc nous, on va commencer par la première étape, détails personnels. On va commencer à remplir le formulaire. Donc, le nom, il est déjà fait. On va cliquer sur suivant. Description personnelle. Donnez-nous les renseignements personnels tels qu'ils figurent sur son passeport et tout et tout. Donc, pays de naissance. Ça, c'est déjà pré-rempli. Pays de naissance. Mettez votre pays de naissance. Dans quelle ville? Cliquez sur suivant. État matrimonial, donc ça c'est déjà pré-rempli, vous pouvez le passer. Pièce d'identité, est-ce que Thomas Fabol possède un passeport ou un document d'identité nationale? Bien évidemment, oui. Quel passeport? Passeport, titre de voyage. Donc si vous avez un passeport, vous pouvez mettre votre passeport directement. Hein. Le numéro du document. Le pays de délivrance. La date de délivrance, allez, quelque chose d'assez récent, on va faire 2021, janvier, la date d'expiration, à peu près, on va faire à peu près 2025, allez, octobre 18, sauvegarder et ajouter. Voilà, donc là, on a mis notre passeport. Si vous voulez ajouter encore, par exemple, votre carte d'identité, vous revenez là, vous refaites la même chose. Et il va se mettre là. Donc, on clique sur suivant. Antécédents en matière d'immigration. Est-ce que Thomas a déjà fait une demande à immigrer au Canada auparavant? Si oui, vous mettez oui, sinon on va mettre non. Pays ou territoire de citoyenneté. Ça, c'est la 8e fois qu'il nous demande, mais on va quand même remplir. Action et insérer une ligne. Dans pays ou territoire, vous pourrez insérer les lignes. Mais là, généralement, ici, si vous sélectionnez plusieurs territoires, il faudrait vérifier. Parce que vous pouvez être de nationalité camerounaise, par exemple, et réside dans un autre pays. Non, ça, c'est dans ce cas-là. Donc là, on va l'effacer. Donc, nous, sinon, vous pouvez regarder le point d'interrogation. Si vous avez plus d'une citoyenneté, insérez, rangez et entrez dans tous vos pays. Donc, si vous avez plusieurs citoyennetés. Donc, si vous avez deux nationalités, par exemple, voilà. Pays de résidence, vous faites pareil, pays de résidence. On clique sur suivant. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la famille. Nous avons besoin de certains renseignements sur la famille. Vous devez fournir plus de renseignements sur la famille de celle-ci. Combien de membres de la famille a-t-il? Cela comprend Thomas Fabol, un époux ou partenaire, les enfants à charge et leurs enfants à charge. Donc, combien de membres de famille? Moi, je vais mettre, on va dire 3. Voilà. Combien d'argent en dollars Thomas Fabol apportera-t-il au Canada pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille? Vous regardez le point d'exclamation. Consultez un tableau qui montre le montant d'argent dont vous aurez besoin pour immigrer au Canada. Donc, pour immigrer via Entrée Express, vu que c'est le moyen le plus rapide d'immigrer au Canada sans avoir besoin d'une offre d'emploi, vous devez détenir des fonds. Et via ce tableau, vous pouvez cliquer sur consulter le tableau qui vous donnera en fonction du nombre de personnes de votre famille, de combien vous aurez besoin. On va le voir en ce qui concerne la preuve de fonds. Donc là, pour une personne, vous fera 13 000 $. Pour 2 personnes, 17 000 $. Pour 3 personnes, 21 000 $. Donc là, j'ai mis 3 personnes. Donc, il me faudra 21 000 $ pour immigrer au Canada avec la famille. Donc, je vous mets le lien dans la description. Je pense que ça sera plus pratique pour vous d'avoir ces liens-là directement. Pardon, si j'ai fait... Voilà, on fait ça et on s'envoie. Dans la preuve de fond, je vous le mets en description. Donc, allez, j'ai fermé la page trop tôt, j'ai fermé la page. Donc, allez, je vais le récupérer. C'est pas un souci. Ouais, c'est pas la bonne page. Je crois que c'est... Voilà, c'est plutôt ici. Je ne sais pas s'il a enregistré mes données. État matrimonial. Ok, c'est bon, ça s'est enregistré. Donc, si vous perdez la page, vous faites comme moi un petit CTRL H et vous aurez votre page récupérée. Donc, en ce qui concerne la famille, donc on était là. Je mettais tantôt que j'ai 3 personnes à charge, donc il me faudra 21 000 à peu près. Je vais mettre 21 900. On va faire suivant. Parenté au Canada, Thomas Fabol a-t-il un membre de sa famille qui est citoyen ou résident permanent du Canada? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Bon, je vais mettre oui, j'ai de la famille au Canada, par exemple. Et il a noté que le membre de famille doit avoir 18 ans ou plus. Voilà. Cette personne a le lien suivant avec Thomas Fabol. Donc, vous mettez le lien de parenté avec cette personne. Donc, je vais mettre, par exemple, fille ou fils. Province ou territoire où le membre de parenté habite. Je vais mettre au Manitoba, par exemple. Alors, on fait n'importe quoi. Enregistrer. Donc là, on a terminé notre première étape, détail personnel. Allez, on continue avec les coordonnées. Il faudrait prendre beaucoup de temps pour remplir votre profil. Hein. Et soigneusement, surtout pas d'erreur, s'il vous plaît. La langue de correspondance, nous, on avait choisi le français. Adresse électronique, requis. On va enregistrer, quitter. Donc là, normalement, pour cette deuxième étape, elle n'est pas très longue. Études et langues. On va faire pareil. Antécédents scolaires. Est-ce que Thomas Fabol a fait des études secondaires ou post-secondaires? Donc, on va mettre oui. Dans quel domaine d'études avez-vous travaillé? Avez-vous fait vos études? Donc là, je vais mettre dans la gestion. Dans quelle année? Depuis quelle année plutôt? Donc, depuis quelle année faites-vous des études dans ce domaine? Je mets par exemple depuis août 2020. Il s'agit de mes études actuelles, oui. Année d'études complétées. Donc, année d'études complétées, vous pouvez voir ce que c'est. Vous devez inscrire le nombre d'années d'études complétées que vous avez effectué et fournir le dernier relevé de notes à l'appui. Donc, le nombre d'années d'études complétées. Je vais mettre par exemple 3. Études à temps plein ou temps partiel. Normalement à plein temps, je vais mettre à plein temps tout simplement. Résultat. Certificat ou diplômé délivré par exemple. Allez, on va faire ça. Dans quel pays? Village d'études. Donc, il demande la ville. Donc, vous mettez la ville. Le nom de l'établissement. Allez, on va mettre EcoGest par exemple. Niveau de scolarité. Donc, on va mettre niveau d'études postsecondaires nécessitant une année d'études offertes par une université. Allez, on va mettre ça. A-t-on décerné un grade, diplôme ou certificat canadien à Thomas, hein? Donc, un grade, un diplôme ou certificat pour cette période d'études, mettons oui. Le diplôme ou le certificat a-t-il été décerné par un établissement secondaire et tout? A-t-il été décerné par un établissement d'enseignement post-secondaire? Est-il un diplôme d'études professionnelles? Donc, vous devez répondre... soit oui, soit non, si ça respecte bien évidemment ces conditions-là. Donc, moi, je mets oui. Quel est le niveau d'établissement d'enseignement désigné de l'établissement? Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez trouver sur son site web. Donc, si vous avez un tas de questions auxquelles répondre, allez, on fait non. Allez, vous faites rapidement la vidéo, sinon on ne s'en sortira pas. Est-ce que Thomas Fabol a obtenu un diplôme d'études, une évaluation des diplômes d'études? Donc, ça, c'est pour l'équivalence. Donc, si vous avez déjà votre équivalence, mettez oui. Sinon, vous mettez non. Donc, moi, je vais par exemple mettre que j'ai une équivalence. Organisme qui a délivré l'évaluation des diplômes. Allez, on va faire World Education Service. Date de délivrance 2023, mars. Numéro du certificat. Allez, fait n'importe quoi. Niveau de scolarité. Inscrit sur le rapport d'évaluation des diplômes d'études. Votre rapport DDE vous indique si vos études à l'étranger sont égales à un diplôme, une attestation ou un certificat canadien. Donc, vous mettez votre niveau de scolarité selon les normes canadiennes. Hein. Donc là, vous savez que le baccalauréat au Canada, c'est le secteur de la licence. Diplôme d'études secondaires. Vous avez les diplômes d'études post-secondaires. Nécessitant une année d'études offertes. Donc, je vais mettre cela, je vais sauvegarder. Là, vous avez la première rubrique qui est déjà faite. Vous pouvez rajouter autant d'antécédents scolaires que vous le souhaitez. Donc, moi, je vais cliquer sur suivant. Donc, dans la langue officielle, est-ce que vous pouvez communiquer en anglais ou en français? Donc, moi, je vais mettre français, premièrement. Est-ce que vous avez subi un test de langue, est-ce que vous avez subi un test auprès d'un organisme désigné pour évaluer sa maîtrise de l'anglais? Donc là, est-ce que vous avez effectué un test en anglais? Ça, c'est... Donc, je vais mettre oui. Test de compétences linguistiques passé. Donc là, il s'est rempli déjà ici. Vous, version de l'examen de compétences linguistiques. Quelle version? Donc ça, c'est oui, formation générale. Mettez la date d'examen. Formulaire ou numéro de certificat des résultats de l'examen des compétences linguistiques. Formulaire ou numéro de certificat des résultats de l'examen de compétences linguistiques. Donc, vous devez mettre le numéro de votre test de langue. Généralement, il y a une référence. Donc, vous l'insérez là. Donc, vous avez les notes qui sont déjà pré-remplies. La date des résultats d'examen, c'était en 2023. On va dire en juillet. Formulaire ou numéro de certificat des résultats de l'examen de compétences linguistiques. Formulaire ou numéro de certificat des résultats de l'examen de compétences linguistiques. Donc, s'ils ont demandé un numéro, c'était pour quel... Ah oui, vu que j'ai mis que j'ai passé un test d'anglais et de français, donc ils me demandent un numéro ici. Expression orale, donc expression orale, je mets 13. Si je vais mettre, je reste toujours dans la moyenne hein, pour... Allez, on va rester dans la moyenne. Pardon. Où est-ce que j'étais? Faire ça, c'est plus rapide. Allez, je vais faire 417. On écoute 500 et en écriture, on va mettre 12. Quelle langue, l'anglais ou le français, Thomas Fabol a-t-il choisi comme langue principale? Donc moi, c'est le français. Enregistrer et continuer. Donc, on a notre troisième étape terminée. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps, mais prenez le temps de le remplir soigneusement. Voilà, lisez toutes les informations, remplissez uniquement là où ça vous concerne personnellement. Donc, si par exemple, vous n'avez pas eu à passer des tests de langue ou un test de langue en anglais, vous devez sauter ces étapes-là. Donc, dans quelle province ou quel territoire Thomas Fabol souhaite-t-il habiter? Donc, vous devez sélectionner, vous pouvez sélectionner plusieurs. Et vous pouvez même sélectionner tout, hein. Vous pouvez faire ça dans tous les territoires. Donc, dans quelle province vous souhaitez habiter? Bon, allez, on va être un peu plus concret parce que tous les territoires, c'est pas évident. On va mettre au Nouveau-Brunswick. On va cliquer sur suivant. Est-ce que Thomas a reçu un certificat de candidat d'une province? Donc, si vous avez un certificat, une acceptation d'une province, vous mettez oui, sinon on va laisser non. Pardon, oh, j'ai cliqué sur précédent. On va refaire. C'était non, enregistrer, quitter. Donc, l'avant-dernière étape, c'est le représentant. On va voir de quoi il s'agit. Un demandeur peut désigner une personne pour traiter avec immigration réfugiée. Donc, si vous avez nommé un représentant qui va gérer votre demande pour vous et tout, donc vous mettez, voilà, représentant, sinon vous mettez non. Voilà, tout simplement. Cette personne pourra obtenir des renseignements contenus tels que sur la demande du représentant. Allez, moi, je vais mettre non. On les serait quitté. Je n'ai pas de représentant. Donc, c'est assez rapide. Et enfin, antécédents professionnels. Voilà. Donc, pour l'antécédent professionnel, vous devez trouver déjà votre CNP qui correspond à votre profession. Donc, on va déjà lire la question. Date à laquelle Thomas Fabol a... est... Non, bah c'est là, ils ont mal écrit quand même. Date à laquelle Thomas Fabol a été autorisé. Non, ils ont fait les erreurs ici. Date à laquelle Thomas Fabol a été autorisé pour la première fois à pratiquer cette profession. Donc, un métier qualifié ou tout autre emploi. Donc, pour la première fois, je vais commencer un peu du 2020. Donc, quel mois on va dire août. Là, vous pouvez trouver la CNP. Hein. Là, vous pouvez, par exemple, si vous regardez votre secteur. Donc, si vous êtes encore étudiant, allez, vous mettez ça. Si vous êtes dans... voilà, vous avez plusieurs domaines. Hein. Directeur des assurances, vous avez le CNP qui s'affiche, le numéro. Vous devez l'avoir tout simplement. Donc, moi, pour moi, qu'est-ce que je vais retenir? Donc, moi, je vais prendre... Allez, je cherche un truc qui se rapproche de la gestion... Bon, allez, bon, moi, je vais prendre n'importe quoi ici en haut. Un truc, voilà, ici. 1109. Voilà, c'est le 1109. OK. Suivant. Certificat de compétence canadienne. Est-ce que Thomas possède un certificat de compétence d'une province ou d'un territoire canadien? Allez, on met non. Est-ce que vous possédez une offre d'emploi au Canada? Vous mettez non. Bah, si c'est le cas, vous mettez oui, bien évidemment. Est-ce que Thomas a des antécédents de travail? Vérifiez d'abord la liste au bas du formulaire pour voir les renseignements que vous avez déjà enregistrés. Lorsque vous cliquez sur sauvegarder, bon, allez. Est-ce que Thomas Fabol a des antécédents de travail? Est-ce que c'est des antécédents de travail au Canada ou... Nous évaluerons les emplois précédents et présents de Thomas afin de terminer son admissibilité et nous utiliserons l'information pour calculer la note. OK. Bon, on va mettre oui. J'ai des antécédents de travail. Depuis quelle année? 2019. Je vais mettre, il s'agit de mon emploi actuel. Nombre d'heures par semaine, je vais mettre 35. Le code de CNP, c'était 11 109, je crois. Voilà, c'est ça. Le titre du poste. Vous mettez le titre du poste. Le nom de l'employeur. Vous mettez le nom de l'employeur. Je mets n'importe quoi. Pays ou territoire. Vous mettez le pays ou le territoire où vous exercez. Pardon. Dans quelle ville? Et vous mettez la ville. Sauvegarder et ajouter. Donc là, il s'est mis. Donc vous pouvez encore ajouter des expériences, des antécédents de travail autant que vous le souhaitez. Donc moi, je vais laisser comme ça. Je clique sur suivant. Les questions suivantes portent sur la reconnaissance de vos titres de compétences et de votre expérience de travail au Canada. IRCC utilisera ces renseignements uniquement à des fins de recherche de mesures, du rendement ou d'évaluation et non pour prendre des décisions au sujet de votre demande. Consentez-vous à répondre à ces questions? Mettez oui, hein, on va faire simple. Avez-vous recherché un emploi au Canada dans votre profession principale? Quel énoncé décrit le mieux les dernières démarches entreprises? Oui, j'ai fait des démarches de recherche d'emploi au Canada. On va faire oui. Avez-vous vérifié si vos titres de compétences et votre expérience de travail dans votre profession principale seraient reconnus au Canada? Moi, je vais mettre oui. Auprès de qui avez-vous vérifié que ça sera... bon, il demande auprès de qui avez-vous vérifié que votre emploi ou que vos compétences ou que votre expérience est reconnue au Canada. Donc, je vais mettre auprès de l'agent d'immigration ou des visas. Certaines professions et certains métiers sont réglementés au Canada, ce qui signifie qu'il vous faudrait une licence ou un certificat de reconnaissance professionnelle pour les exercer. Est-ce que votre profession ou métier principal est réglementé? Donc, vous devez savoir déjà les métiers réglementés. Pour déterminer si vous êtes, pour déterminer si votre emploi est réglementé au Canada, visitez. Donc, on va visiter. Les qualifications, organismes de réglementation, rassemblez vos documents. Prochaine étape, cherchez un emploi connexe. Ou est-ce qu'il parle de métier réglementé? Donc, explorer les fiches métiers, guichet emploi. Donc là, c'est les fiches métiers, trouver votre emploi au Canada. Vous avez les qualifications, vous avez organisme de réglementation, communiquer avec l'organisme de réglementation dans la recherche. Donc, je ne pense pas qu'ils nous ont renvoyé sur le bon lien. Mais qu'à cela ne tienne, on va rester sur ça. 2020 août, c'était suivant. Suivant. Une offre d'emploi, j'avais dit non. Suivant. Voilà, donc enregistrer, quitter. Donc, antécédents professionnels en cours. Donc, on va continuer à remplir parce qu'il y a des étapes. Vous devez avoir vraiment le terme terminé. Donc, c'est ici qu'on s'est arrêté. Allez, antécédents. Donc, j'avais dit, il s'agit de mon emploi actuel, 2019, nombre d'heures par semaine, 35, la CNP, 11 000, directeur dans les services financiers, 11 109, titre du poste, nom de l'employeur, pays ou territoire, et la ville. Donc, sauvegarder et ajouter. Donc là, il s'est mis. On clique sur suivant. Consentez-vous à répondre à ces questions. Bon, on va mettre non. Pour nous faciliter la tâche. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette dernière étape. Et donc, normalement, une fois que vous avez le statut terminé partout, vous pouvez envoyer votre demande. Mais avant d'envoyer, vérifiez. Vous repassez sur chaque section, vous cliquez sur mettre à jour le formulaire pour vérifier si les informations que vous avez renseignées sont bien correctes. Une fois que vous l'avez vérifié, vous cliquez sur continuer. Vous voyez ici, vos déclarations solennelles et vos signatures électroniques. Donc là, vous allez accepter bien évidemment que les données que vous avez entrées sont correctes et tout et tout. Donc là, j'accepte. Donc, j'accepte. Vous signez. Mon fruit préféré. Qu'est-ce que j'avais mis au fait? Question de sécurité. Ouais, j'avais mis l'orange. Ok. Donc, il faudrait bien vous souvenir de ça. On va signer. Avis sur les renseignements, j'accepte, qu'est-ce que c'est des signatures? Je comprends que le fait de soumettre cette demande constitue une signature électronique de la dite demande. Allez, transmettre. Félicitations, votre demande ou profil a été soumis avec succès. Vous recevrez un message dans votre compte contenant votre numéro de confirmation et un lien vers votre reçu officiel, s'il y a lieu. Étape 2. Si nous avons besoin de plus de renseignements de votre part, ou que nous avons pris une décision, nous communiquerons avec vous par le biais de messages dans votre compte, dans la messagerie de votre compte. Les délais de traitement peuvent varier. Informez-vous sur les temps qu'il faut habituellement prévoir. Voilà, donc là, en fait, enfin, vous avez soumis votre demande Entrée Express et il ne reste plus qu'à attendre leur réponse. Pardon, leur réponse pour savoir dans quel programme vous avez été affecté et pour savoir votre note, votre classement dans ce programme. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Elle a été un peu longue, voilà, parce qu'on a essayé de voir un peu le maximum de choses, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Donc suivez ces étapes, renseignez-vous sur beaucoup de choses, sur les fonds qu'il faut pour immigrer au Canada, sur les tests de langue et beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est important si vous voulez immigrer rapidement via Entrée Express, parce que là vous avez vu, ils n'ont pas demandé d'insérer vos diplômes, ils n'ont pas demandé des documents, ils vous ont juste demandé de décrire votre profil, votre situation telle qu'elle. Voilà, et donc dès que vous êtes accepté, c'est à ce moment là que vous allez fournir les documents, les preuves de fonds et tout. Voilà, donc merci à tous d'être jusqu'à la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao les amis, portez-vous bien et bonne chance dans vos procédures d'immigration.